Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre session d'information spéciale Campana. Ouvrons en ce journal. Jean-Louis Tibine, candidat du Parti Congolais du Travail, PCT, dans la circonscription unique de Luango, a lancé sa campagne électorale ce mercredi 5 juillet 2017 à Mengo. Devant la foule, le candidat Jean-Louis Tibine a axé sa communication sur le plaidoyer qu'il fera en faveur de l'emploi des jeunes. Suivez un extrait de son discours. Ma communication a porté sur l'éducation. J'ai essayé de parler à mes parents, en ce sens que nous allons aux élections. Il faut que vous puissiez voter utile, parce que les gens viennent, donnent des promesses et ils repartent. Moi, je suis membre du Parti Congolais du Travail, mais le monde que j'ai reçu ici, ce ne sont pas les membres du Parti Congolais uniquement. C'est la population, c'est ça la particularité. Parce que les autres, quand ils viennent, je veux recevoir les membres du parti, tel parti, tel parti. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai demandé à toute la population de venir m'écouter. Et voilà, je suis très content parce que j'ai retrouvé tout le monde ici. Ils se sont reconnus, des autres partis, ils sont venus écouter mon message. Et j'ai demandé aux jeunes de se tenir prêts pour qu'ils travaillent vraiment dans le district de Luango, où ils sont restés pendant longtemps marginalisés. Ulrich Onganya, candidat du club de Mdepur dans la deuxième circonscription de Titi, a lancé sa campagne hier mardi 4 juillet 2017. Suivez ce reportage signé Guy Serge de Mwanza pour plus de précisions. Ulrich Onganya, candidat du club 2002 pur, parti pour l'unité et la République, a été désigné pour représenter sa famille politique dans la deuxième circonscription de Tiété. Mardi 4 juillet 2017, accompagné de son suppléant Jean-Félix Mandila, ce dernier a organisé un carnaval dans sa circonscription électorale en guise d'ouverture solennelle de sa campagne. Le carnaval, constitué d'une longue file de véhicules pavoisés aux effigies du candidat, a permis d'arpenter les grandes artères et espaces publics de Mbota, Mvungu, Lusala, Mpaka et Fontiété. La jeunesse en marche, ensemble tout devient possible, tels sont les slogans qu'on pouvait décrypter sur les effigies du candidat. Comme au départ, le point de chute a été le siège au quartier général du candidat en Pendant cette campagne des législatives couplées au local, plusieurs ambassades des différents candidats ont été installées partout dans la ville. Le constat, c'est que celles placées dans certains quartiers périphériques sont timides, nous dit Joël Pombo dans ce reportage. La campagne électorale des législatives et locales 2017 au Congo-Brazzaville a été lancée depuis début juillet. Banderoles, ambassades, affiches et autres dans différentes circonscriptions témoignent la présentation des candidats aux élections à Pointe-Noire. Fort malheureusement, dans certains quartiers périphériques, le cas de Lusala, cet événement est encore timide à voir quelques effigies et banderoles être placées de manière distante par rapport à d'autres. Contrairement à l'ambiance des circonscriptions proches du centre-ville, les ambassades et autres posters ou banderoles annoncent la respiration de la campagne dans les quartiers et incitent les électeurs de se remettre de temps en temps en cause sur le vote de celui qu'il voudra élire à l'Assemblée ou au Conseil le 16 juin prochain. Mesdames et Messieurs, c'est par ce constat de Joël Pombo que nous mettons un terme à ce journal, à la spéciale campagne. Merci de votre fidélité et renouvelée. Au revoir et à la prochaine occasion.